Le livre d'Ésaïe, chapitre 56. Voici ce que dit l'Éternel. Respectez le droit et pratiquez la justice, car mon salut est sur le point d'arriver et ma justice est prête à se révéler. Heureux l'homme qui adopte ce comportement et le fils de l'homme qui y reste fermement attaché, qui respecte le sabbat au lieu de le violer et veille sur ses actes pour ne commettre aucun mal. Que l'étranger qui s'attache à l'Éternel ne dise pas « L'Éternel me séparera certainement de son peuple » et que l'eunuque ne dise pas « Je ne suis qu'un arbre sec ». En effet, voici ce que dit l'Éternel. Si des eunuques respectent mes sabbats, choisissent de faire ce qui me plaît et restent attachés à mon alliance, je leur donnerai dans mon temple et à l'intérieur de mes murailles une place et un nom qui vaudront mieux pour eux que des fils et des filles. En effet, je leur donnerai un nom éternel qui ne disparaîtra jamais. Quant aux étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour lui rendre un culte, pour aimer son nom, pour être ses serviteurs, tous ceux qui respecteront le sabbat au lieu de le violer et qui resteront attachés à mon alliance, je les amènerai sur ma montagne sainte et je les réjouirai dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront acceptés sur mon autel, car mon temple sera appelé une maison de prière pour tous les peuples. Déclaration du Seigneur, de l'Éternel, de celui qui rassemble les exilés d'Israël. J'en rassemblerai d'autres en les ajoutant à lui, aux siens déjà rassemblés. Vous toutes, bêtes sauvages, venez manger, vous toutes, bêtes de la forêt. Ces guetteurs sont tous aveugles, incompétents. Ils ne sont tous que des chiens muets, incapables d'aboyer. Ils rêvent couchés tant ils aiment sommeiller. Pourtant, ce sont aussi des chiens voraces, insatiables. Ce sont des bergers incompétents en matière de discernement. Tous suivent leur propre voie, chacun sans exception, à la recherche de son profit. Ils disent « Venez, je vais chercher du vin et nous boirons des liqueurs fortes. Nous ferons la même chose demain, il en reste encore beaucoup.